Yo tout le monde! Donc nous voici pour un nouveau jeu que je n'ai jamais joué. Il s'agit de Poképark sur la Wii. Attention, c'est parti, on va commencer. Salut tout le monde, salut les amis, salut Pikachu! Allez, démarre! Alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire dans le jeu, hein, je le connais pas du tout. Normalement, je connais tous les Pokémon, tous les jeux Pokémon, mais celui-là, je l'ai jamais eu, donc. Pourtant, il est pas récent quand même. Hein. Ok. Message bien reçu. Pikachu, il tombe du ciel. Attention, tu vas te faire mal. Waouh. Belle présentation. La grande aventure de Pikachu. Bah, nouvelle partie. Go. Choisis une icône. Elle est rigolote celle-là, regardez. Ah, j'hésite du coup. Il y en a deux autres que j'aime bien aussi. C'est lui. Et puis lui aussi. Ah là là. Bon, allez, je vais prendre celui-là, il est jovial. Oui. Ah mince, j'ai mis non. Ah j'ai encore mis non. J'arrive pas à me. Est-ce que je peux avoir le curseur s'il vous plaît? J'arrive pas à me servir de la manette là. Ah oui d'accord, fallait mettre A. Ah. Non même pas. C'est où qu'il faut que j'appuie là-dedans. Valider sur le 2, ok. Voilà. Ah oui, bah oui, fallait que je mette tout. Oh. Ça craint, on dirait que j'ai jamais joué à la Wii de ma life. Bon, alors, allez au Poképark. Code option, voilà, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Validé. Oh, il y a sa mèche, Germignon. Et comment il s'appelle lui déjà? Mince. Je le sais en plus, le bleu. Ah, il y a Mew. Ah voilà, ça me revient, c'est Tiplouf, le Pokémon bleu, c'est un Pokémon haut. Il y a tellement de Pokémon que devoir tout retenir, c'est... Dans les années 2000, quand il y en avait que 151, ça allait, mais maintenant il y en a trop, hein. Moi, les nouveaux Pokémon, je les connais pas, hein, je vous dis franchement. Hein. C'est un joli nom. Moi, c'est Mew. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Le prisme céleste qui protégeait le Poképark s'est brisé. Et les éclairs se sont éparpillés à travers le parc. Si l'on ne fait rien, le havre céleste n'aura plus l'énergie suffisante pour voler. Et s'écrasera sur le Poképark. Alors j'aimerais... Je le fais bien, la voix de Mew. Tu rassembles ces éclats de prisme. Il y en a 14 en tout. Les Pokémon spéciaux du Poképark les ont ramassés. Je t'attends au Havre Céleste. J'ai confiance en toi. Pijako, salut Pijako, ça va? Tiens, tu n'es pas d'ici, toi. Pardon, moi qui suis-je pour parler ainsi? Je suis Pijako, c'est ce que j'ai dit, le guide du Poképark. Viens voir si tu ne sais pas où aller. Oui, tu cherches tes amis? Ça, Mèche, Tiplouf et Germignon? Ah non, je ne les ai pas vus.
Quoi? Ça veut dire quoi, ce regard? Je n'ai jamais dit que je savais tout, hein. Bref. Tu les trouveras peut-être au Poképark. Je te guide. Alors suis-moi. Ok, je te suis. Chupi Jaco, tiens la télécommande Wii à l'horizontale et déplace-toi avec les flèches. Oui, bon, ok. C'est ce que j'allais faire, hein, de toute manière. Est-ce que je peux regarder ce qu'il y a par là? Non. On va aller tout droit. Oh, Pikachu! Il est mignon! Il est trop mignon! Ah, tu es là! Avant d'arriver au Poképark, j'aimerais tester deux ou trois choses. Tu sais courir, hein? Il y a une caisse là-bas. Fonce dedans. Je suis sûre que ton sprint est capable de casser des caisses. Tu peux piquer un sprint avec le bouton 1. Fonce dans les caisses pour les briser. Ou on dirait que j'ai fait ça toute ma life. En cassant les caisses, tu peux trouver des baies ou des objets. Il suffit de toucher les baies pour les ramasser. Ouais. Et je vais où après? Je vais là-bas. Et Tu as réussi à briser la caisse. Bien joué. Maintenant, j'aimerais tester ton ressort. Il y a beaucoup d'endroits dans le Poképark auxquels on ne peut pas accéder sans sauter. Je t'attends là-bas. Viens en sautant par-dessus cet arbre tombé à terre. Tu peux sauter avec le bouton 2. Oui, bah je sais, je viens de le faire. Je sais comment faire, hein, du coup. Très bien, tu sais foncer et sauter. Je suis sûre maintenant que tu sauras te débrouiller dans le parc. Le Poképark est plein de jeux très différents. Ce qui oppose seulement deux Pokémon s'appelle des défis. Le défi le plus populaire de tous est la course. Ah voilà, je vais t'apprendre la course. La course consiste à toucher l'adversaire dans le temps imparti. Fonce-lui dedans en sprintant pour gagner. Je vais fuir, alors essaye de me toucher en courant, compris? Ouais, ok. En gros, on joue au loup là, quoi. Ah, ça aurait été mieux avec un joystick, les gars. Sur la Wii là. Eh, je t'ai touché. Faut que j'y fonce dedans, c'est ça, je sais plus ce qu'il m'a dit. Mince, j'étais tout près de lui là en plus. C'est bon, je l'ai. Bon, c'était pas compliqué. Hein. Eh bien, tu n'y es pas allé de main morte. J'ai la tête qui tourne. Quoi qu'il en soit, tu as l'air en forme, tant mieux. Tu as réussi le test. Tu sais maintenant jouer à la course. Très bien, prends ces baies. Quand tu remportes un défi, de bonnes choses arrivent. D'abord, tu te fais un ami. Ah, c'est la meilleure chose. Remporte un défi contre quelqu'un et hop, il devient ton ami. Et l'avantage d'un nouvel ami, c'est... Bah, on ne peut pas l'exprimer vraiment avec des mots, quoi. Pardon, mais... Bien sûr, moi-même, je suis devenu ton ami. C'est bon, je continue mon explication. L'autre bonne chose, c'est les baies que je t'ai données. Tu en gagnes chaque fois que tu remportes un défi. Et tu comprendras vite à quoi elles servent une fois dans le parc. Allez, fin des explications. On se revoit plus tard. Mais lui, il a l'air bien sympathique, ce... Ah, la pourrie, maintenant. Bonjour. Toi aussi, tu vas au Poképark? C'est un endroit génial. On peut y devenir amis avec des tas de Pokémon et jouer dans plein d'attractions. C'est juste de l'autre côté de la forêt. Allez, je pars devant. Eh ben, les amis, je sens qu'on va encore se faire plein d'amis Pokémon. En tout cas, je trouve que les graphismes sont géniaux. Très jolis, je trouve. Tiens, il y a Ronflex là-bas. Encore pour nous bloquer le passage. Hein.
Approche-toi d'un Pokémon et appuie sur le bouton 2 pour lui dresser la parole. Ok. Les Pokémon qui ont quelque chose d'important à te dire ont une sorte de bulle au-dessus de la tête. N'hésite pas à aller leur parler. Ok. On l'entend bien ronfler là, le ronflex. Oui, il est l'heure de se réveiller. Et je vais sprinter dessus, non ? C'est pas très gentil, quoi. Ah, ça lui fait rien, il se gratte le ventre. Parler. Ah, ça marche mieux quand je parle. Ah non, même pas. Bon, bah, je vais resprinter. Ah, il se gratte le ventre. Ah, je vais essayer de lui sauter sur le ventre. Ah, j'ai pas réussi, je vais essayer de le refaire. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez rigoler, mais moi je découvre. Hein. Ouais, apparemment c'est pas ça hein, qu'il faut faire. Yomzi. Ok, est-ce que je peux passer autrement? Attends, je vais lui reparler à lui. Là. Ah, c'est toi, je t'attendais. Ronflex bloque le chemin vers le Poképark. Je suis sûr que tu connais un bon moyen de lui filer un coup de jus. Allez, réveille Ronflex, s'il te plaît. Peut-être avec une belle aiguille, non? Essaye d'utiliser ton air. Ah oui, d'accord, carrément. C'est moins gentil, ça. Tu dois te tourner dans la bonne direction pour toucher ta cible. Tu peux te tourner vers le Pokémon le plus proche en appuyant sur B. S'il n'y a aucun Pokémon près de toi, cela te permet de te tourner dans la direction que regarde Pikachu. Ah, j'ai pas trop compris comment utiliser mon attaque tonnerre. Attendez, je vais lui reparler parce que j'ai pas trop compris là pour attaquer. Appuyez sur A. Tout simplement. On va essayer alors. Ah voilà. C'était tout simple. Oh merde. Je vais avoir des ennuis là. Eh, tu m'aplatis pas comme une crêpe. Hein. C'est bon, il bouge. Il est déjà fatigué, il a fait 3 pas et boum. Merci, nous pouvons enfin aller jouer, ouais. À plus tard dans le Poképark. Ok, bah on se retrouve plus tard là pour elle. Ah, revoilà Pijaco. Lui comme il vole, il est passé par-dessus. Ah, enfin, j'aimerais te donner quelque chose. Tu reçois le carnet Poképark. Ah ouais, cool. On appelle ça le carnet Poképark. Tous les noms des Pokémon avec lesquels tu deviens ami s'y inscrivent automatiquement. L'une des plus grandes joies du Poképark est de devenir ami. Bah, tu m'étonnes. Avec autant de Pokémon que possible. Lorsque tu t'es fait de nouveaux amis, ouvre ton carnet et regarde. Mais attention, ce n'est pas facile de le remplir en entier. C'est un peu comme le Pokédex, sauf que là, c'est vraiment... ça tourne vraiment sur l'amitié, quoi. Ouvre ton carnet Poképark. Ok, c'est le bouton X. On va croire, quoi. Tu pourras y lire des informations sur les amis que tu t'es fait ou les stats de Pikachu. Par ailleurs, si tu veux arrêter de jouer, il te suffit d'ouvrir ton carnet et de choisir sauvegarder. Ah, ça c'est important aussi. Pour pas devoir tout recommencer. Pour enregistrer ta progression et reprendre la fois suivante où tu en étais. Je suis devenu ami avec Pijaco. Oui. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Ah, il veut que j'ouvre le truc, hein, moi je m'en aille. Ouvre ton carnet. Eh hey, oui, professeur. Professeur Pijaco, tout de suite, à vos ordres. Voici mon carnet. J'ai un ami. 20 baies et 0 pellicule. Ça doit être parce que je dois prendre des photos, peut-être.
On va en faire une sauvegarde pendant qu'on y est. Hop. Vous inquiétez pas les gars, on va pas arrêter tout de suite. Hein. Non. Retour. Donc ça y est, c'est fait, je peux passer maintenant. Alors, tu as vu mon nom? Ouais, j'ai vu. Si tu vois une icône ressemblant à un carnet à côté de du nom du Pokémon qui te parle, cela signifie que ce Pokémon est ton ami. Ça veut dire qu'avant Pijako, j'avais zéro ami, quoi. Wesh, personne ne veut de moi. Et si tu deviens vraiment très ami avec lui, l'icône prendra des couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah ouais, ok. Allez, à plus tard, je vais au Poképark maintenant. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me demander. Attends, j'ai une question de papa. Non, je rigole, j'ai pas de question. Allez, on va le rejoindre. Il y a quoi ici? Regardez. Approche-toi d'un panneau et appuie sur bouton 2 pour le lire. Les choses qui y sont inscrites te seront sans doute d'une grande aide dans ton aventure. Oui, pour me repérer. Mince, je suis en train de sprinter sur le truc. Droit devant, Poképark. Si tu te sens perdu au milieu de ton aventure, demande à Pijako. Apparemment, Pijako, il aura vite fait l'arc-en-ciel. Entrez dans le Poképark. Oui. Donc il va y avoir quoi, la grande roue, il y aura toxique, bonsaï, des trucs comme ça peut-être. Là je fais référence à la fête foraine dans ma ville, une fois tous les ans. Ah, Dialga et Palkia sculptés dans la pierre. Les graphismes, je les trouve excellents. Très joli. Ça me fait penser un petit peu à un Pokémon Donjon Mystère aussi, avec Pijako, tout ça, une version... Alors pas la première version, il me semble que c'était sur la deuxième, il y avait un Pijako dedans. Youhou, j'aime bien sauter. Je fais des galipettes en plus. Il est Jamignon là. Il est trop mignon, Jamignon. Il porte bien son nom. Hein. Pikachu, tu n'as rien? Non. On t'a suivi avec Salamèche et Tiplouf, et on a sauté dans le trou, mais... En tombant, on a été séparés. Ça s'appelle le Poképark, ici. Hein. Et nous, on se retrouve dans une région appelée la zone végétale. Regarde tout ce vert, ça a l'air super comme endroit. Ouais, ça doit être bien oxygéné. Vous avez l'air très amis, bienvenue au Poképark. Ah si, donc j'avais Jamignon en ami et Salamèche, Tiplouf, donc avant Pijako. Ils sont pas écrits sur mon carnet. Je viens souvent m'amuser ici. Puisque vous êtes là, vous devez essayer des attractions. Pour ça, cherchez un Pokémon qui se tient à côté d'un panneau. Et dites-lui que vous voulez participer à son attraction. Je vais retrouver Jamignon. Ok. Puis après, il est là. Aïe, 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 regardez, il y a Bulbizarre. Il y a lui là-bas, la poreille. Tortipousse. Ah, je vais aller voir Bulbizarre. Et il y a Jamignon aussi. Bulbizarre. Tu veux jouer à l'attraction du secours sprint? Pas question. Pourquoi pas question? Dans la zone végétale, c'est interdit de participer aux attractions et d'aller dans les autres zones. Mais si on est discret, Monsieur Florizard, le maître de la zone, n'en saura rien. Allez, je te laisse jouer. Ne le répète à personne, hein. Il y a une attraction, mais c'est interdit d'y jouer. C'est idiot comme règle. Pikachu, essayons. Dans mon attraction, tout le monde fait la course. Tu gagnes si tu dépasses la ligne d'arrivée en atteignant l'objectif. Normalement, ça coûte 5 baies de faire un secou sprint. Ok. Mais pour le moment, je ne te demanderai rien, parce que tu es mon premier participant depuis longtemps. Tu veux jouer au secours sprint? Bah écoute, ouais, je veux bien tester. Hurrah, tant mieux! Traverse la piste forestière, atteins la ligne d'arrivée le plus vite possible. Objectif, 10 secondes! Ok, on va essayer. Secoue la télécommande Wii dès le signal du départ.
plus tu la secoues, plus tu vas vite. Oui, donc ça va être fatigant. Hein. Je vais être essoufflé, moi, dans 10 secondes. Choisis un ami. Ben, vu que je suis Pikachu, je peux pas me choisir moi-même. Hein. Ah là là, il y a du choix. Hein. Il y en a plein que j'aime bien. On va surtout pas Magikarp, par contre. Hein. Faut pas abuser. Ah lui, je l'adore. Ah vas-y, je prends lui. Attendez, il y a un sécateur aussi. Ah, je peux pas. Je peux pas les prendre. C'est que Pikachu pour le moment. Bon, bah écoutez. Hein. Voilà, c'est parti. Hey, je suis dernier. Vite. Et en plus, les gars, je saute au même temps pour de vrai, je vous jure. Ah, j'ai réussi. Ah, je suis parti dernier. Je suis arrivé premier. Oh là là. J'ai fait le kangourou en même temps. Attraction réussie. Yes. Sambé, ouais. Je vais pouvoir faire des provisions là en nourriture. Je peux peut-être hiberner. Hein. Après, je sais pas si Pikachu il mange que des baies. Faut changer un peu, faut varier le repas. Bravo, tu as réussi. C'est toi qui as remporté l'épreuve cette fois. Mais sache que les Pokémon qui sont devenus tes amis peuvent aussi participer aux attractions. Ah, et aussi. Si tes amis gagnent, c'est compté comme ta victoire. Ah ouais, c'est cool ça. Par contre, faut pas qu'ils perdent. Alors. Parce que c'est tes amis, tu vois. Et puis ensuite, reçois ça. Tu as récupéré un éclat de prisme. C'est joli, hein. Je surveillais l'attraction quand c'est tombé du ciel. Après, j'ai rêvé de Mew qui m'a dit qu'il voulait que je le donne à la première personne qui réussirait l'attraction. Donc c'est à toi. Ouais. Tu es devenu ami avec Bulbizarre. Ouais. Et toi là. Oh Arco, il est mignon. Tu as fait l'attraction, hein. C'est interdit de participer aux attractions, tu le sais. Mince, il nous a vus. Suis-nous, on va t'emmener au commissariat. Non, je rigole. On va t'emmener voir le maître Florizarre. Hein, quoi? Je veux pas. Oh, comment il l'emmène, Germignon. Le pauvre. Oh non! C'est ma faute, c'est moi qui vous ai poussé. Je t'en supplie, sauve Germignon. Ouais, tout de suite. Moi aussi, je t'en supplie. Frérot Sage est allé voir Monsieur Florizarre, a-t-il dit. Il se trouve de l'autre côté de la rivière, derrière un grand portail. D'ailleurs, pourquoi ils ont emmené Germignon et pas moi? Parce que moi aussi, du coup. Enfin voilà quoi. Bon, bah, du coup, on y va tout de suite. C'est une petite urgence là, donc. De l'autre côté du pont. Voilà, c'est... Non seulement t'as participé à une attraction alors que c'était interdit, mais en plus tu l'as réussi. T'es complètement barré. Quoi? Tu veux savoir où est Germignon? Alors j'aime bien Arco, mais là il a pas l'air très... très gentil. Hein. C'est pourtant évident. Auprès du maître Florizarre. C'est qui ce Florizarre? Bref, de l'autre côté du pont quoi. Tu veux passer? Ah, je sais. Si Tanty pousse décrocher un super temps ou ce coup sprint, un temps qui lui ferait décrocher un bonus, pour aller plus vite, appelons ça un temps bonus. S'il fait ça alors, j'accepterai de te laisser traverser ce pont. Bah il déteste pourri donc, t'as aucune chance là. Ok. Donc là je peux pas passer les gars par moi. J'aime bien Arco mais là il est pas très sympa. Faire tous les trucs moi en attendant. Quoi que je fasse attraction de Bulbizarre, non je veux pas.
Ah, c'est pour aider ton ami. D'accord. Si tu me vas à la course, on sera amis et j'irai au secours sprint pour toi. On fait la course? Yes. D'accord, on y va. Ah, je vais devoir refaire le kangourou là. Non, c'est autre chose. Ah, c'est comme tout à l'heure là avec Pijako, ok. Oula. C'est bon, je l'ai eu. En fait, je remplace un peu la Pokéball, on dirait. Tu m'as bien envoyé voler. J'ai encore l'impression de flotter. Quand on joue comme ça, d'autres Pokémon peuvent en entendre parler et venir voir par eux-mêmes. Et maintenant, on est des amis. Je vais courir au secours sprint. Et comme on est amis, tiens, prends ces baies. Tu es devenu ami avec Tortipousse. Eh ben, Pachirizou veut s'amuser. Mansai veut s'amuser. Ah bah yonk, il y en a du monde. Bah on va aller leur parler. Hein. Tu connais l'attraction du saut en liane? Bah non, je suis nouveau. Mon petit frère et moi, on adorait y jouer. Mais elle est fermée pour le moment. Et toi, on fait la course? Ouais. Je m'en doutais qu'il voulait faire la course. Hourra, essaye de m'attraper. Ouais, attends-moi la petite écureuil. Oui, j'y suis. C'est bon. J'ai perdu. Oh, mais c'était rigolo. Dis, tu veux bien être mon ami? Si tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Bon, donc du coup, voilà, un ami de plus. Il y a qui encore comme Pokémon par là? Dans les parages. Parce que c'est fait. Ah, lui. Défie autant de gens que possible pour devenir leur ami. Toute cette excitation. Ah non, mais lui, on lui a déjà parlé tout à l'heure. Il peut être attiré d'autres Pokémon, qui sait. Dis, on fait la course? Ah non, on n'est pas amis encore alors. Du coup, c'est bon, on va faire la course. Alors, attrape-moi. Voilà. Ah, c'est pas compliqué, hein. Peut-être que en avançant dans le jeu, peut-être que ce sera de plus en plus dur, je sais pas. Tu m'as envoyé voler. Tu es vraiment très fort. Soyons amis. On s'est bien amusé. Et si on fait plein de bruit, qui sait, on attirera d'autres Pokémon. Ah, j'allais oublier. Tiens, des baies. Ah, un Inukyo. Bixi. On va chercher. Hein. Est-ce que je peux aller là-bas? Bref, il ne faut pas hésiter, je pense, aussi à fouiller dans les... Tiens, mais il y a deux Lixi ici. Eh, je peux foncer dedans. Je savais pas que je pouvais foncer dans les Pokémon. J'ai perdu Luxray de vue, mais je suis fort, alors c'est bon. Si tu le croises quelque part, dis-lui bonjour de ma part. Tu veux faire la course? Oui. Alors commençons. Eh, il est parti en avance, tricheur. Ah, je me suis bien amusé, j'adore courir. Genre, il a eu le temps de s'amuser en 5 secondes. Tant pis si j'ai perdu. Appelle-moi pour la secousse sprint. Je suis sûr que je peux faire de bons temps. Est-ce que je peux avoir un deuxième Mixi? Mince. Je voulais pas te foncer dedans, excuse-moi.
On a entendu parler du Poképark et on est tous venus. En fait, je crois que je me suis fait deux amis Lixi en même temps. Il retenait le meilleur score de chaque Pokémon, ça s'appelle son record. Dis, on fait la course? Ah non, du coup, je la veux. Faut bien que je le fasse aussi si je veux avoir. Ok. Ah, y'a un manzai là. Décidément, t'es fort. Donc voilà, c'est fait. J'ai vu un manzai tout à l'heure, j'ai vu un Inukyo aussi, que j'ai pas encore. C'était où que je l'avais vu? Je ne me rappelle point. Ouais, je vais retourner là-bas parce que j'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu, je pense. Ah, je peux foncer dans ça aussi. Hop. Prends. Ah, je peux pas le prendre. Ah si. Ah, mais je sais pas à quoi ça sert en fait. Ouais, je me demande si c'est pas un genre de pont ou un truc comme ça. Moi, je vais essayer pour voir. Est-ce que je peux sprinter avec? Non. Si je mets ça dans l'eau, ça fait quoi? Non, ça va pas dans l'eau. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On le saura bientôt, je pense. Il y en a un là aussi. Bon. On le prendra plus tard. Non, je retourne sur mes plats, sur mes pas, pardon. Regardez par le bas. Ah, un queue noteur. On se le fait. Quel ennui. Le Pokémon de Florizarre monte la garde à l'entrée du pont. Et je ne peux pas appeler mes amis. Ils sont vraiment très stricts concernant les gens du dehors. Pourquoi il veut pas qu'on se fasse une course? Ah, c'est bien le seul qui me demande pas. Ok, bizarre. Bon bah je cherche ailleurs. Tiens, il est là-bas, Nénuke. On dit qu'avant le Poképark était une boule de boue au fond des océans et aucun Pokémon ne pouvait y vivre. J'espère qu'il ne va pas redevenir comme ça. Tu veux un duel? Ah bah oui. Pour ça tu es venu. Ah, alors commençons. Un duel est un type de défi où chacun utilise ses capacités pour gagner. Ah, ça ne peut être pareil que tout à l'heure. Pour réussir, il faut épuiser l'énergie de l'autre avant que le temps ne tombe à zéro. Si tu n'y arrives pas, tu perds. Ok. Si tu reçois des coups et que ton énergie tombe à zéro, tu perds aussi. Tu peux lui foncer dessus ou utiliser ton tonnerre pour faire baisser son énergie. Sa jauge d'énergie ainsi que la tienne apparaissent à l'écran. Pour ne pas perdre, il est très important d'éviter les attaques adverses. J'aime pas l'eau en plus. Tonnerre. Merde, c'est pas le bon bouton. Non. Je me suis voilà. Mince.
C'est mon premier duel. Hein. Mince, je vise pas dans le bon. C'est bon, je l'ai. Où je l'ai, c'est bon. J'ai perdu, mais c'était bien. Soyons amis. C'était bien d'attaquer comme ça. Ça change des autres jeux Pokémon. Toi et Nilupio du parc sont aussi devenus tes amis. Ah ouais. T'as entendu ça? Et attends, je peux te monter sur la tête? Mais non, on vient d'en faire un duel. Je voulais juste te monter sur la tête. Ah mince, j'ai foncé dedans. Ah, c'est ce bouton-là. Ouais. Ah, je peux voir. Mais j'aime bien foncer dedans. C'est GTA façon plus tendre. Un peu plus tendre. Je peux foncer dedans. Alors... on est déjà allé. Oula, c'est un arbre. Est-ce qu'il y a encore l'arbre? Ouais. Je regarde s'il n'y a pas de Pokémon que je n'ai pas encore fait. Une caisse là aussi. Une baie ou un truc du que. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Je crois. Ah là-bas les gars. Confrex. J'ai faim, tu peux plus bouger. Je peux plus bouger. Je sens une grosse baie cachée dans une caisse. Casse des caisses et donne-moi une grosse baie. Tu peux pas le faire toi-même? Fonce dans les caisses pour les casser. Oui, je sais le faire. Je l'ai fait plein de fois ça. Et après il va devenir mon ami. Oh, une grosse baie. Attends, je la mange. Non, je rigole. Je t'ai pas dit d'aller voir. Elle sent bon ta grosse baie. Tu me la donnes? Super, merci. Ah, c'était bon. Je suis ton ami maintenant. Au fait, faut que tu saches, il y a plusieurs types de baies dans le Poképark. Des baies vertes, des rouges, des dorées. Ah, les baies dorées. Ah, ça, c'est la vie. Hein. C'est les plus rares. Un pourgoin fric, c'est la vie. Hein. Tropius. Ah, il y a un nouveau Pokémon. Donc, voilà, en fait, ce qu'il faut faire là, c'est de se faire le plus d'amis possible avant d'aller revoir Arco. D'après ce que j'ai compris. Le gros Pokémon qu'on a vu d'Arceus, là, il... Ah, c'est pas lui là-bas, là. Ouais, si, c'est lui. On le voit de loin. Aïe. Tu m'as fait mal. Pareil. Tu sais, je commence à avoir faim. Hein. Tu ne voudrais pas m'apporter une grosse baie à toi aussi? Je t'ai vu en donner un Pokémon tout à l'heure. Je peux attendre la prochaine fois que tu viens dans cette zone. Ah, il faut que je trouve une grosse baie encore, les gars. Bah, je sais pas où est-ce que je peux trouver d'autres par là. Moi. Je pense que j'ai regardé partout déjà. Moi, j'ai vu que des bouts de bois là. C'est pas encore à quoi ça sert pour le moment. Voilà, je pense que j'ai fait tous les Pokémon et toutes les caisses. Donc, je vais regarder encore un peu. Voiture. Normalement, j'ai tout fait. Bon, écoutez les gars, on va se mettre là où il y a Arco là. Parce que là du coup je pense qu'on est rendu là.
On verra bien après si... Attendez, je vais juste regarder par là, là, si... Il n'y a pas quelque chose. Je suis pas allé par là encore. Ah les gars, je suis pas allé par là encore. J'avais pas vu. J'avais pas vu ici. Regardez, c'est joli, on a une belle vue, hein. Magnifique. Alors, je viens s'il y a des... Oula. Ah bah, il y a des baies ici. Je savais pas qu'en fonçant dans les arbres... Il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Ah, bon. Ah, il y a un piaf avec ici. Bon, on se fait ça. Mm-hmm. Maître Florizard, le maître de cette zone, m'a chargé de surveiller ce parcours. Ah, donc il veut pas de... Bon, il veut pas devenir mon ami, apparemment. Bon. Après, les gars, quand je serai là où il y a Arco, je ferai une sauvegarde. Et on arrêtera là pour la première partie du jeu. Là, je regarde encore autour. Parce que comme j'avais pas vu ici tout à l'heure... Il y a peut-être des choses... Attendez... Est-ce que je voudrais bien grimper sur les trucs? Ça fait un petit bruit de tambour à chaque fois. Je peux déjà tirer... Ça me fait penser... Ah! Merde! J'allais dire, ça me fait penser à un jeu de Rayman. Bon, bah par contre, je me suis taulé. On va le faire. Hein. Oh. Non, Pikachu là! Obéis! Pikachu, t'es pas gentil! Faut être sage! On va y aller un peu plus doucement parce que c'est vrai qu'avec les flèches, c'est pas terrible. Avec un joystick, ça aurait été mieux. Trop vite. Eden, la patience de Eden. Oh non. Bon bah on remonte. Mais j'ai ouvert un truc. Je sais pas ce que c'est. Peut-être une baie pour Propus. Je sais plus c'est quoi son nom. Triopus, un truc comme ça. Le gros Pokémon qu'on a vu tout à l'heure. Allez doucement. Arrête de whigner, piaf avec, s'il te plaît, merci. Non. C'est pas vrai. Non mais sérieux les gars, avec les flèches, c'est pas terrible. Il y a des trucs qui sont pas terribles. La jouabilité est moyenne quand même. Avec une manette classique, ce serait mieux. Là, je suis avec la manette Wii. C'est pas terrible, franchement. Des obstacles comme ça. Bon, excusez-moi, hein, mais je peux pas aller plus vite que ça. Hein. On dirait du jeu de danse là. Hey, Pikachu, on n'est pas dans Just Dance là. Hey, imaginez un Just Dance Pokémon. On peut peut-être sortir ça, un de ces quatre. Hein. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Bon, on refait. Patience, on va y arriver. Bon, mais ça, c'est un sacré défaut quand même. Faudrait vraiment prendre une manette, quoi. Alors, attendez. Cafabé qui m'énerve. Il fait que de crier depuis tout à l'heure. Hop, 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 hop. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est vraiment moche ça par contre, mince. Bon, on va y arriver les gars. Putain, tout ça pour une baie, sérieux. Attendez. C'est où le commencement là. Ah mais je t'ai rien demandé, je voulais grimper là. Oh non, oh non. Oh non, ça fait moins 5 fois là, je le fais. Bon, on va y arriver. Mais franchement, avec les flèches, c'est vraiment nul quoi.
Mais là, je commence à avoir mal au doigt à force de le faire. Bon. On va y arriver. On va y aller tout doucement. Mais ça, c'est le genre de choses qui m'énerve dans les jeux. Quand la jouabilité est pas terrible. Voilà. Donc sinon, y a pas de sous-size. Mais là, c'est un endroit par contre un peu chaud. Voilà, c'est bon, on y est. Alors je sais pas si c'est vraiment une baisse. Oh, je vais foncer dans les arbres. Non, c'est sur l'arbre que je voulais foncer. Bon, y a pas d'autre truc qui tombe. Je vais aller voir le gros Pokémon. Non, mais je pense pas que c'était une baie, par contre. Je pense que c'était autre chose que ce que je viens de ramasser. Je sais pas où passer, par contre. Il était ouf, Pokémon. Ah là. Est-ce que c'était bien une baie? Apparemment, c'était pas une baie. Ah mince, je suis deg. Bon bah, je reviendrai te voir plus tard. Hein. Bon, du coup, je vais sauvegarder là où il y a Arco, mais par contre, les gars, je sais pas si c'est encore bon. On verra ça dans la prochaine partie. Je sais pas si je pourrai passer tout de suite. Donc, voilà. Alors, pour sauvegarder, on avait dit d'aller sur le livret. Oh là ! Non ! J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Non seulement t'as participé à une attraction alors que c'est interdit, mais en plus, tu l'as réussi. Du coup, on va faire un Arco. T'es complètement barré. Ah, il m'a dit les mêmes choses tout à l'heure. Si Tortipousse décrochait un super temps au Secours Sprint, un temps qui lui ferait décrocher un bonus pour aller plus vite, appelons ça un temps bonus. S'il fait ça, alors j'accepterai. Oui, mais il m'a dit ça déjà tout à l'heure. Bon, apparemment, les gars, bon. C'est un accident, hein. J'ai foncé dedans, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Apparemment, on n'a pas fini, il manque des choses. Ici. Donc, on y reviendra sur la partie 2. Alors, et c'était ce bouton-là. Alors. Donc, on a 9 familles. 340 baies. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à donner une baie tout à l'heure. Pilicule 0. Attendez, je regarde ici. Ah voilà, c'est affiché là, les amis. En gros, faut que... Attendez, j'essaye de comprendre en fait. Je dois m'en faire 28 amis, c'est ça? Bon, on verra. En tout cas, moi, j'ai pas vu d'autres Pokémon dans le coin là, donc... Donc, sauvegarder. As-tu progressé ta progression? Pour le moment, c'est trop tôt pour donner une note de satisfaction, de non-satisfaction pour ce jeu. Donc, je trouve pas mal quand même. Alors, juste le petit problème que j'ai eu tout à l'heure avec la jouabilité, mais sinon le jeu est sympa, je trouve. Ah, c'est Pokémon hein, en plus, donc vu que je suis fan, c'est forcément bien quoi. Bon, alors, mais tu as été de jouer. Oui. Et voilà les gars, on va se retrouver pour la prochaine partie. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, à partager un max. Salut les gars.